N'atterrissez surtout pas à l'aéroport d'Angeli. Je vous explique. Vous préparez pour voyager à Kinshasa et visiter le Congo. Cette vidéo, elle est faite pour vous. Direction, derniers achats et puis la maison. Donc voilà, on se voit bientôt à Kinshasa en tout cas. Merci beaucoup. Bah, je pense que tout le monde connaît l'aéroport d'Angeli. En tout cas, l'aéroport d'Angeli, je pense que c'est à moins que je me trompe, hein, je pense que c'est le plus grand aéroport de la RDC en tout cas. Donc voilà. Mais ce qui se passe là-bas, en tout cas, les gars, il faut avoir les nerfs solides. En tout cas, c'est incroyable. C'est une cacophonie inouïe, hein, des ordres incroyables. Donc, c'est un aéroport, en fait. En fait, à chaque barrière, tu passes, tu dois laisser des billets des banques. C'est stressant. C'est stressant, en tout cas. Tu ne payes jamais, en sachant que voilà, c'est moi qui voyage. Tu payes jamais passer chaque barrière, en tout cas, sans pour autant donner de l'argent. Sinon, ils vont vous créer des problèmes. Je ne sais pas, en tout cas, je vais essayer un peu de peser mes mots, en tout cas, je n'ai jamais vu, en tout cas, à plus de 20 ans de vie, un aéroport aussi stressant que celui d'Angeli, en tout cas. C'est incroyable. Je vais vous mettre des images, en tout cas, d'une personne qui s'est plaint qu'à l'aéroport d'Angeli, enfin, il n'y a pas la climatisation. Imaginez en plein été. Pendant les mois de juin, août, juillet, là. Avec la chaleur de Kinshasa, en tout cas, vous êtes prêts, voilà, à décoller pour votre ville de résidence. Mais à l'aéroport de Kinshasa, en tout cas, imaginez avec le soleil africain, le soleil congolais là-bas, en tout cas, il n'y a pas de clim à l'aéroport. À l'aéroport de Kinshasa, il fait vraiment chaud. La clim ne fonctionne pas. C'est pas normal. En sachant qu'en tout cas, pour des vols internationaux, en tout cas, tout le monde est obligé de payer 55$ de GoPass pour des vols internationaux. Les GoPass ne coûtent pas 50$. Hein. Les GoPass coûtent 55$. Les 5$ va vers la ville de Kinshasa, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, les 50$, bon, disons, les 55$, en fait, le but du GoPass, en tout cas, qui a été instauré depuis 2009, en tout cas, sous le pouvoir de Kabila, en tout cas, le but de cette taxe aéroportuaire, c'est la réhabilitation et la modernisation de nos aéroports, en tout cas. Mais les gars, l'ambiance qui règne à l'aéroport d'Angeli, en tout cas, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vais vous mettre des images d'études des gens, en tout cas. Il y a une amie qui a du temps disant que l'aéroport d'Angeli, c'est un prank. On n'y croit pas. Il faut être là pour vivre la bêtise qui règne là-bas, les désordres qui règnent là-bas. On se croirait dans un stade de martyrs. Il y a blindés de monde qui sont là, qui font rien. Je vous mettrai des images, vous allez voir en fait. En sachant que chaque passager d'origine congolaise ou pas en fait sont obligés. Le Congo, c'est le seul pays au monde en tout cas qui fait payer une taxe aéroportuelle qui appelée GoPass. Allez vérifier. 55$ en fait pour chaque passager, en tout cas, d'un vol international. Le but de Copa, c'est réhabiliter et moderniser les aéroports, en tout cas. Mais l'aéroport de Nusul, en tout cas, il ne change pas. S'il y a un truc au Congo qui ne change pas, en tout cas, tu peux faire 10 ans ou 5 ans à l'étranger. Quand tu retournes, c'est encore des mal en pire, en fait, l'aéroport de Nusul. Dans cet aéroport, en tout cas, tu es obligé de t'énerver. À l'aéroport, tu es obligé de péter les plombs, tu es obligé de t'énerver. J'ai vu des scènes, en tout cas, lors de mon dernier voyage, en tout cas, j'ai vu des scènes, les gars, c'est incroyable, c'est insupportable, les gars. Il y a ma soeur qui est belge, en fait, qui est retournée au Congo après 10 ans, ou 9 ans comme ça en Belgique. Elle rentre, on lui dit sa carte de vaccination. Elle est fausse. Mais frère, le royaume de Belgique, en tout cas, atteste par son médecin des familles. Et toi, tu viens à l'aéroport, tu dis que sa carte de vaccination n'est pas bonne. Ça, il fallait seulement donner de l'argent. Il fallait soudoyer pour passer.
Donc à chaque point où tu t'arrêtes, en fait, t'es obligé, on t'oblige même à... Ah, maman solo là, tu sais comment bon, maman de Sabane. C'est quoi ces pays? C'est quoi ces pays? En tout cas, je devais en parler parce que j'ai reçu beaucoup de messages et les désordres qui règnent à l'aéroport de Dieu. En tout cas, les gars, c'est du jamais vu. Puisque le malheur du Congo, c'est le Rwanda. Même au Rwanda, c'est pas comme ça. Même l'aéroport de Kigali, c'est pas comme ça, les gars. Fâchez-vous comme vous voulez, en tout cas. L'aéroport de Ndjili est parmi les aéroports les plus stressants en Afrique. Et ça, c'est inconcevable pour un si grand pays comme le Congo. Ça doit arrêter. Les gars, ceux qui voyagent pendant l'été, allez, vous allez voir. Il y a plus de 1000 personnes à l'extérieur, en fait. La première fois, quand je suis rentré, quand je suis retourné après 8 ans en Belgique, j'avais peur de sortir, j'avais peur. J'ai écrit à mon cousin, il dit, en fait, tant que je ne vois pas, je ne sors pas. J'avais peur, frère. Il y a plus d'une centaine de personnes devant là. On se croirait un concert d'Inosmi ou de Gazmawet ou encore d'Héritier Watanabe, en fait. Mais nous sommes à l'aéroport. Tu n'es pas encore sorti, tu sens déjà la pression. Il y a des jeunes qui sont là, en tout cas, des voyous qui sont là, des racketteurs, ils sont là pour rien, en fait, en train d'embrouiller les gens, en fait. Imagine, après 8 heures de vol, tu descends comme ça, avec ton stress, tu viens encore, on t'embrouille. Regardez cette vidéo de cette maman, en tout cas, je vais vous expliquer après. Donc voilà, la maman vient à peine d'atterrir. On suppose qu'elle vient d'un voyage. Oui, voilà, c'est un voyage international. Parce que cette sortie-là, c'est une sortie de vol international, en tout cas. Disons plus ou moins 8 heures, 8 heures dans un avion. 8 heures dans un avion et tu reviens dans ton pays ou dans un pays étranger en tant que touriste. Et on t'accueille comme ça par des inconnus qui viennent se précipiter pour prendre ton sac. Des gens que tu connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est pas normal. Ce n'est pas normal, les gars. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette image. La maman a pété un plomb. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de gens parce que c'était pendant la période. C'était pendant le mois de février. Mais allez au mois de juin, juillet, août. Les gars, vous allez pisser sur vous. Le stress au paroxysme. Combien de personnes se font voler comme ça? À l'aéroport d'Angel, en tout cas, si tu n'es pas clairvoyant, on peut même te voler ton âme. Dans l'aéroport d'Angel, on te vole ton âme. Dans cet aéroport-là. Il y a un désordre incroyable, incroyable, les gars. On en a marre. On paye des go pass pour que, voilà, pour que vous puissiez restructurer les pays, arranger, mettre la sécurité. Même dans un aéroport, on n'est pas en sécurité, les gars. Les chemins qui mènent vers l'aéroport, en tout cas. Pas de lumière, en tout cas, les gars. Il n'y a pas de lumière. J'apprécie quand même parce que c'est à quelques encablures de l'aéroport, en fait, c'est le seul endroit à Kinshasa où il n'y a pas d'embouteillage, en tout cas. Mais le chemin est obscur. Le chemin qui mène vers l'aéroport est obscur. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Si ta voiture tombe en panne là, mon frère, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Est-ce que c'est normal en fait que moi je suis en train de voyager, je dois encore commencer à payer de l'argent pour rentrer dans l'aéroport, en sachant que c'est moi qui voyage? C'est pas normal ça. On va pas normaliser la corruption, on va pas normaliser ces genres de bêtises en tout cas. C'est pas normal. On dit ça pour que les choses puissent changer. L'aéroport de Nice en tout cas nous stresse plus qu'autre chose en tout cas. Dans d'autres pays en fait, quand on voyage, quand on y va, regarde les pays comme la Belgique en fait. L'aéroport, c'est même pas l'aéroport de Niger, en fait. Un petit aéroport comme ça, mais bien structuré, en tout cas, voilà, pas de stress, en tout cas, personne t'embrouille, tu sais où aller et quoi faire. En tout cas, ceux qui pensent que nous sommes là pour étaler, en fait, voilà, la gestion du pays, voilà, parler mal du pays, en tout cas, je m'en fous. C'est pas ça le but du débat, en fait. Donc, on doit savoir qu'en fait, à l'aéroport de Niger, en fait, c'est un Capharnaüm, les gars.
Moi, je parle parce que je connais bien cet aéroport, en tout cas. Je parle en connaissance de cause. L'aéroport de Ndjili, c'est un capharnaüm, c'est l'enfer sur Terre. Un désordre incroyable, les gars. Donc, il faut savoir que l'aéroport de Ndjili, en fait, est géré par la régie des voies aériennes, la RVA, en tout cas. L'aéroport international de Ndjili, les gars, hein, sans commentaire. Aujourd'hui, il y a quand même moins de monde que dans des périodes en fait, où il y a beaucoup de vols. Hein. Bon, là, en février, on comprend. Mais bon, jugez par vous-même l'aéroport international de Ndjili. Donc, l'un des très grands aéroports de l'Afrique. Donc voilà. Il y a des gens qui sont là inutilement, en train de rien faire. Hein? Je ne sais pas, qui autorise ces gens à entrer ici en fait? Voilà, qui foutent rien à l'aéroport, voilà. Non, jugez par vous-même l'aéroport international de Ndjili, les gars. Donc voilà. Aéroport international de Ndjili à Kinshasa. Il est 21h30. Donc voilà. Selon en tout cas, voilà, je pense que le jour où moi personnellement, en tout cas, ou encore les gens qui pensent comme moi auraient un pouvoir décisionnel, en tout cas, je pense que voilà, la RVA ne doit plus gérer cet aéroport. Là. La RVA ne doit pas gérer cet aéroport, en tout cas, parce que, excusez-moi, en tout cas, je pense que voilà, la RVA est incompétente pour gérer l'aéroport de Ndjili, en tout cas. Donc je pense que c'est même pas seulement, pas qu'en Ndjili, en fait. Hein. Le Congo, en fait. On détient des aéroports, en fait, le plus petit aéroport, en fait, avec le moins de trafic, en fait, mais tu peux rater ton avion seulement à cause des formalités inutiles, en tout cas. À cause des formalités manuelles. Donc, à l'aéroport d'Ndjili, tu peux rater ton vol à cause des formalités qui se font manuellement. Et si tu vas dans la profondeur, en tout cas, des formalités, en tout cas, tu dis, ça n'en vaut même pas la peine, en fait. Ça n'en vaut même pas la peine. L'aéroport de Ndjili, en tout cas, c'est... En fait, l'ambiance qui règne là-bas, c'est une ambiance, en fait, nauséabonde, en fait. Assez. Chère autorité de l'État, ces gens qui ont le pouvoir décisionnel, en tout cas, nous, passagers, nous, citoyens congolais, nous payons... Nos 55 euros de GoPass pour de vols internationaux et nos 15 euros de GoPass, nos 15 dollars plutôt, nos 55 dollars de GoPass pour de vols internationaux et nos 15 dollars pour de vols nationaux, s'il vous plaît, en tout cas. L'ambiance qui règne à l'aéroport de Ndjili, en tout cas, c'est pas ça, en tout cas. Un aéroport qui dégoûte l'envie de voyager, qui enlève l'envie de voyager. Tu descends d'un vol, d'un très long vol. Je prends l'exemple d'une personne qui vient des États-Unis. Il a plus ou moins fait 24 heures de vol. Avec tous les escales, en tout cas. Avec tous les escales. Il atterrit à l'aéroport de Ndjili, en tout cas. Il sort de l'aéroport avec 15 garçons de 15 gars inconnus devant lui, comme ça, en train de se bousculer pour prendre. Qui va prendre la valise? Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous comprenez un peu le traumatisme, en fait? Est-ce que c'est normal? Même ça, nous vendons mal et mal du pays à cause. Déjà de l'aéroport en fait, Ndjili. Déjà, on comprend un peu, voilà, on comprend déjà les désordres qui règnent en plein Kinshasa quand on atterrit déjà à l'aéroport d'Ndjili. Et ça doit changer jusqu'à quand? C'est des mal en pis, les gars. J'étais là-bas au mois d'octobre, mais j'ai dit, mais waouh, frère, t'as 15 personnes, des chèques et des voyous qui sont là, en fait, ils viennent comme ça. Ils entrent par quelle porte? Qui les laisse entrer? Le seul moment où l'aéroport est calme, en fait, quand il y a une autorité, en fait, qui vient. Quand les autorités étrangères qui atterrissent là-bas, ou encore quand le président prend son vol. Et tous nos dirigeants prend cette même route-là, en tout cas, qui n'est pas éclairée, qui voit la cacophonie qui règne à l'aéroport de Ndjili, en fait, mais qui n'arrive pas à décider à changer des choses, en tout cas. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, au raté, en fait, imagine, on prépare une nuance, on sait les checking et tout, mais au raté, vol, gars, parce que, bah, papier, les gars, belé, bah, papier, mou, des angatines. Moi, pour la preuve, en tout cas, ma propre mère à moi, en fait, a été refusée d'entrer à l'aéroport. On l'a refusé d'entrer à l'aéroport.
On n'a même plus les droits, on n'a même plus les droits d'être accompagné par nos membres de famille. On n'a même plus les droits. On n'a même plus. J'ai attendu trois heures seul avant de prendre l'avion. Parce qu'il fallait impérativement donner l'argent pour entrer à l'aéroport. Donc, faut donner l'argent pour entrer à l'aéroport. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Jusqu'à quand? C'est pas du tout normal. C'est pas de l'aéroport de Ndjil, en tout cas. C'est une honte. C'est une honte. C'est vraiment l'image, en fait, de la gestion du pays. Enfin, l'aéroport de Ndjil, en tout cas. L'entrée principale de l'aéroport de Ndjil. Pas là pour, voilà, pour vilipender, pour chercher des boucs émissaires, en tout cas. Mais que chacun de nous, en fait, met la main à la pâte. Parce que l'aéroport de Ndjil, en tout cas, c'est incroyable. C'est une honte. En plein 21e siècle. Les gars, vous souvenez, en fait, à l'époque, quand on insultait, en fait, l'Éthiopie en disant, ouais, les pays de Kouachokor, allez voir l'aéroport d'Addis Abeba. Ce n'est même pas 1% de l'aéroport de Ndjil. Pour ceux qui ont déjà voyagé, allez voir l'aéroport d'Addis Abeba, en fait. Ce n'est même pas 1% de l'aéroport de Ndjil. Cela doit changer, en tout cas, les gars. Cela doit changer. Que chacun prenne ses responsabilités, en fait. Moi, en tant que voilà, citoyen congolais, je prends mon temps de dénoncer, de montrer les faits pour que le décideur, en fait, mette les mains dans la pâte pour que nous puissions acheminer vers les développements, en tout cas. On en a marre des promesses, en tout cas. Ces pays doivent changer. Allez voir les ténèbres qui règnent, la route qui mène vers l'aéroport, c'est l'enfer, c'est les ténèbres. Il y a pas de, la route n'est pas éclairée. Et je ne sais pas si les présidents de la République pourront, si c'est la même route, en fait, ou encore il a une route propre à lui pour voir. Mais si c'est la même route, en tout cas, mais cher président, vous voyez pas que la route elle est ténébreuse. L'entrée principale de l'aéroport de Ndjil, en fait, qui ressemble à un magasin au champ, à un magasin Lidl ou encore Colorette en Belgique ou en France. C'est une honte. En tout cas, merci beaucoup les gars. Merci d'avoir suivi cette vidéo, en tout cas. Si cette vidéo vous a plu, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, en tout cas. Merci de me laisser vos impressions en commentaire, en tout cas. Un grand merci pour l'amour. Merci beaucoup pour tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mes réseaux, sur Instagram. Je réponds à tout le monde, en tout cas. Que mon Dieu vous bénisse, en tout cas. Mis sur Smile Eyes, en tout cas. Partagez la vidéo, commentez et likez. On est ensemble. Merci beaucoup. On se revoit bientôt à Kinshasa, en tout cas. Si c'est moi, c'est l'aéroport de Ndjili. Devient comme celui d'Addis Abeba. Merci beaucoup, ensemble.